Vous vous souvenez qu'en Espagne, mon portefeuille était volé. Donc, toute cette semaine, ces jours, j'étais un peu perdu, entre guillemets. Je me sentais un peu bizarre parce que je ne pouvais pas prouver qui je suis. Et donc, maintenant que je suis en France, de retour, c'est à moi de faire les démarches pour récupérer mon identité, ma pièce d'identité, mon permis de conduire, etc. Et tout ce temps, c'était un temps bizarre, un peu perdu, on va dire. Ça m'a fait réfléchir dans ceux qui se sentent perdus dans la vie, qui n'ont pas une identité propre. Je ne parle pas d'une pièce d'identité, je parle d'une identité morale, un but dans la vie. Maintenant, je dois aller aux autorités pour récupérer mon identité. Moralement, il y a une autorité. Je te recommande la Bible et Dieu, parce que c'est lui qui va te rendre encore une fois ton identité, va te dire qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu y vas, et va te donner un sens dans la vie. Ça, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent.